Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Dokkan Battle pour aller invoquer le nouveau Goku Super Saiyan God. Moi, je kiffe cette transfo, donc je vais invoquer, malgré que l'anniversaire arrive dans pas très très longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai 820 DS, j'avais commencé à stacker un peu pour l'anime qui arrivera au mois de juillet. Bon, il y a encore le temps, il va y avoir plein de DS à récupérer d'ici là, donc Je m'autorise un petit écart, surtout que je kiffe cette transfo. Moi, j'aime beaucoup la transfo SSJ God. Je trouve qu'on est passé vachement vite au SSJ Blue. On l'a très vite oublié cette transfo, mais moi j'aime beaucoup cette transfo. Ça me fait rappeler un peu le Saiyan pur, quoi. J'aime bien. Tout qu'en plus, le perso, de ce que j'ai compris, est très intéressant. Donc, ça vaut le coup d'aller invoquer, de mettre un peu de DS dessus. Tout mettre, j'espère pas, je ne pense pas non plus. Et son détecteur est assez cool en vrai, le Vegeta apparemment qui est très sympa aussi, qui est très jouable. Et la compagnie du Vegeta Trunks que j'ai déjà une fois, pourquoi pas un petit doublon, le Majin Vegeta que j'ai obtenu sur le portail de Bardock juste avant, je l'avais pas. Donc pourquoi pas un petit doublon pareil. Le Broly, j'ai le Raditz, c'est pareil, je l'ai. Lui par contre je ne l'ai pas. Chaque fois qu'il est revenu, il n'est jamais voulu tomber. Donc une fois pourquoi pas pour son ZTUR, mais c'est tout. C'est tout. Et puis, bah, lui, je l'ai aussi avec des doublons. Donc, ça nous intéresse un petit peu moins. Donc, objectif aujourd'hui, ça va être le SSJ God, bien sûr. Et puis, on est parti. On va essayer d'invoquer pas trop de DS. Hein, s'il te plaît, tu me demandes pas trop de DS. Et puis, ça sera parfait. En plus, on a sorti son OST pour l'occasion. Allez, c'est parti. La première multi qui est lancée. On va voir ce que ça donne. Sachant que ma dernière vidéo sur Dokkan Battle au niveau des invocations s'est plutôt bien passée. On va commencer en plus avec une fusion directement. Donc je prends déjà un Dokkan Fest pour commencer. Je me rappelle, j'avais eu Gohan Beast très rapidement avec une faille de rosée. Et Piccolo qui n'était pas tombé en vidéo mais qui est tombé après en off aussi rapidement. Donc les vidéos sur Dokkan. Peut-être que ça m'a réussi. Contrairement à Legends, je vais peut-être me reconvertir, on ne sait jamais. Bon, on va voir ce que... qui se cache dans cette multi. En tout cas, pour l'instant, deux chichis. J'ai que des R là pour l'instant. C'est bon, l'ISR, mais bon, on s'en fout un peu. Le KB Int, que j'ai déjà. Et du coup, le Bada qui tombe enfin. Au moins, je l'aurai une fois pour l'occasion, pour la collection. On attendra son ZTUR, bien sûr, et le Badak masqué. Et puis encore le SSR de fin garanti. Ok. On commence tranquillement avec ce petit Badak que je n'avais pas, donc je prends. En vrai de vrai, je prends. Ça me fait mon premier exemplaire dans la box. C'est cool. Franchement, c'est cool. Allez, deuxième multi, c'est parti. C'est parti. Allez, faudrait qu'il tombe vite. S'il peut tomber rapidement, ça serait cool. Franchement, ça serait cool. Petit Rainbow. Pas de fusion, pas de Xeno, tout ça. On connaît ça. Y'a rien qui garantit nouveau perso. Un Dokkan Fest, rien. Pas de belle animation, en tout cas pour l'instant, dans cette deuxième ulti. Mais bon, on peut se cacher, on sait jamais. Ça peut tomber comme ça d'un coup, là. S'il vous plaît. Pourquoi pas. Allez. Non. Peut-être pas cette multi. Mais on va voir ce que ça donne. J'espère le faire tomber. Hein. Ah, quand même un petit doublon intéressant du DJ Bouta. Je sais que c'est un perso hors détecteur qui peut être intéressant à avoir. Donc ok, on prend un doublon dessus. On prend. Allez. On est reparti. C'est que c'est un perso que j'aime beaucoup, franchement j'aimerais bien l'avoir pour la box, le SSJ God. En plus il est pas nul apparemment, donc ça vaut le coup d'invoquer dessus, ça vaut le coup. Bon, d'ici le mois de juillet pour l'anniversaire, le SSJ God, peut-être pour le SSJ God. Peut-être qu'ils ont fait exprès de mettre cet anime pour le nouveau perso, jamais. Peut-être, s'il vous plaît. Ah mais j'ai eu Krillin, en fait. Krillin c'est 3 SSR. Encore. Écoutez, c'est le doublon du Badak. Bah, attends, son ZTUR, hein. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus très jouable tout ça.
crois qu'aujourd'hui c'est pas foufou hein. Mais écoutez, pourquoi pas, ça fait encore un Dokkenfest et lui c'est Osef complet. Ok, donc le doublon du Madoc. Aspirer un petit peu autre chose, genre petit Goku God, je sais pas. Je dis ça comme ça, hein. Petit Goku God. Je prends. Pas faille de rosé. Tenshian, tout ça, toute la troubadour, ok. Pas de Zeno, pas de Fusion, pas de relâcher Rainbow. Un seul SCJ. Ok. Bizarre comme anime. Bizarre comme anime quand même ça, non? Pas fameux ça, ça garantit pas grand chose hein. Il y a toute la troupe. Il n'y a rien derrière. Ok. Pourquoi pas. Allez, donne-moi du lourd. Encore bout. Lui, il est déjà 100% mon frérot. J'en veux pas. C'est pas lui qu'on veut. Ah, les DS, ça fuit hein, ça fuit. Déjà 200 DS utilisés. Déjà 200 DS utilisés. On va pas tout mettre hein. On va pas tout mettre clairement, je vais pas tout mettre dans cette vidéo, mais écoutez, l'animation encore une fois, rien qui garantit un nouveau perso Dokkenfest. Pas de LR non plus. Pas de LR non plus, allez. Mais bon. J'ai déjà droppé sur des animes qui valaient rien dire. J'ai déjà droppé sur des animes vraiment Osef, comme ça. Hein. Donc, espoir. Pas espoir. Allez, Alex. Non. Petit Goku, Sparsen. Non. Bon, cette multi, elle sera Osef. Ouais, bout mal incarné. Encore des bouts, que des bouts. Tout le temps des bouts. Allez. On est reparti. Allez. Tâche du lourd, là. Vas-y, on s'en fout de Bardock. C'est bon, je l'ai eu une fois. Pas un doublon. Maintenant, passe à autre chose, mon frérot. Chaozu, Kamehameha long. Il était long. Donc, ça veut dire Dokkenfest. Et je crois que oui, c'est le Raditz. Le Raditz Endurance. Ok, premier doublon. Ce Raditz-là, dès sa sortie, il était déjà décrié. Il était déjà aux F tiers. Bon, un doublon sera un peu plus fort déjà. On va dire ça, et c'est... Oh, ça c'est incroyable ça. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est bien lui. C'est bien Sangoku Super Saiyan Divin, mais oui, mesdames et messieurs, ça c'est beau ça. La multi Twitter, mais oui, c'est la multi Twitter, Raditz Dokkenfest plus le Goku dans la même multi. Et ben voilà, mesdames et messieurs, le travail a été accompli. Parfait. Je vais me reconvertir joueur de Dokkan Battle, parce que ici je drop, donc écoutez, on est parti pour son showcase, on va partir pour faire les Cellmax, les roches machin, les roches GT, les roches Goku, et voilà, on va y accompagner un petit multi pour finir. Allez, pourquoi pas chercher un petit doublon. Allez, la dernière multi est lancée, c'est la multi bonus, on sait jamais, on a entendu toute la troupe, ok, bon. La multi d'avant, j'ai eu deux Dokkenfest sans anime. Si, j'ai eu Kamehameha long quand même. Ok. J'avais oublié ce petit détail. J'avais quand même eu Kamehameha un peu long. Mais au niveau des persos sur le terrain, j'avais eu personne. Bon. Est-ce que j'aurais dû faire cette multi? Je ne pense pas. Hein. C'était la multi trop. La multi de gourmandise, comme on dit. Mais travail accompli. Le Goku est dans la box. C'est très bien. Très bien. C'était parfait, c'était l'objectif de cette vidéo. Eh bien, c'est accompli. C'était bien la multi de trop. En plus, on n'a pas de promo sur les multi. Pas de tickets, pas de petites multi un peu moins chères, ça aurait été cool. Mais vu que c'est comme la Jap, alors c'est une célébration en même temps que la Jap, eh ben on n'y a pas le droit. Mais écoutez, ça s'est très bien passé. La multi, oh bah on me cache. Merci Kaito Do Vidéo pour ton abonnement. Et puis bah écoutez, j'espère que de votre côté vous avez drop. Hein. Si vous n'avez pas drop, je connais trop bien cette sensation. Donc force à vous. Et puis bah, on se
donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.